Voir le match de demain, c'est difficile pour moi qui ai été entraîneur d'Espérance et bien entendu entraîneur de Sousse. Et je suis, quant au résultat, je suis partagé. Je ne serai pas complètement déçu si l'Espérance gagnait, et je relève le défi pour mes joueurs. C'est tout à fait normal, et à partir de là, j'espère que les supporters de Sousse pourront fêter la victoire face à l'Espérance qui est première de ce groupe. كما قال كوتش ماشي صعيب ضد اسبيرانس وحضرنا ماتشونا نحن ان شاء الله كما يلزم وعازمين ان شاء الله باش نربحوا جايين على التروا بوان ان شاء الله ربي يوفقنا باش نربحوا فرح الجمهور ان شاء الله. Pour moi, retrouver Jaïdi, c'est comme ça fait partie de mon cœur. Bien entendu, l'étoile, aujourd'hui, pour moi, j'ai divorcé avec Jaïdi et je retrouve l'étoile. Et avec bonheur aussi, parce qu'avec l'étoile, on a quand même gagné la Coupe de Tunisie, la Coupe arabe, et ça veut dire que aujourd'hui, on voudrait bien, à l'image de l'Espérance, avoir quatre titres sur le plan africain. Ils sont multiples. Surtout, Jaïdi, c'est quelqu'un, mais c'est la Tunisie que je veux remercier, elle m'a tendu la main, et pour moi c'est inoubliable. Ok, donc à travers Jaïdi, à travers l'étoile, je suis heureux, vraiment très heureux d'être ici. Je le dis vraiment, j'ai refait ma vie ici. Ça a été quelqu'un qui a réussi en Angleterre. Donc, à l'image de tous les joueurs que j'ai eus avec l'équipe nationale ici, je ne peux pas faire de différence, que ce soit les uns ou les autres. Ça a été un moment de grand bonheur pour moi. Ici, à Rhodes, on a gagné la Coupe d'Afrique, donc nationale. Je veux amalgamer tous les gens de la Tunisie. C'est pour moi quelque chose de fantastique. Et de gagner. Pour le moment, l'étoile passe un mauvais moment. D'abord, dans ses structures, elle est en train de refaire le stade, son stade, à l'image de Rhodes. Mais l'étoile souffre en ce moment. Elle souffre, et un résultat, quel qu'il soit, un résultat positif, quel qu'il soit, nous apporterait extrêmement. Okay. J'ai Kichiche à côté de moi, on a travaillé pour faire un
résultat. Et le déclic, on l'attend. On en a un peu marre de faire des matchs nuls. Vous m'entendez ? Match nul veut bien dire ce qu'il dit, à savoir, il y a nul qui est... Et le déclic, on l'attend, et principalement contre l'espérance, ça, c'est clair. Et moi, je pense à M. Kmani, parce que en 83-84, mais aujourd'hui, je suis tout à ma tâche, à savoir avec l'étoile et les gens, bien entendu, de l'étoile. Mais le déclic, il existe, oui, il existe. Surtout pour une équipe qui ne gagne pas. Mais on a fait, je crois, c'est 27 matchs nuls contre 30 joués. Donc c'est énorme. On n'a pas eu l'occasion de fêter vraiment. Et demain, on espère fêter. L'espoir fait vivre. On a besoin d'espoir. Et l'étoile a besoin d'espoir. OK. Et l'espoir, ça se traduit par un match gagné, quel qu'il soit. Je joue la saison 2022. ولم ما تحطش علينا برشا ضغط على خاطر كنا سوليد وسوليدير ونحكيو مع بعضنا الناس كل وعازمين كما قلت لك باش نجيبوا 3 بوان تاعنا خاطر ما كناش خايبين في الدو ماتش ما كانوش خير منا لي زادفيرسير تاعنا معنا كنا خير منهم نتصور ان شاء الله غدوه نجيبوا 3 بوان ان شاء الله الكرة ما تكمل كان بالجمهور وما تزيد تحلى كان بالجمهور وان شاء الله جمهورنا باش يكون حاضر وباش يساندنا ان شاء الله غدوه معناتها عندها برشا ليتوال ليسبيرونس معناتها مشان باش نحكي على الديفي اللي بيناتنا ما نستحقوش كما قلت انت حد باش يزيد يموتيفينا منا فينا معناها كيفاش باش نقول لك موتيفاسيون بطبيعتها موجوده وكلنا موتيفي ومعناتها ما نغزروش للظروف كل شيء مفيد نحن نربحوا غدوه ان شاء الله.